Je voudrais partir jusqu'à la mer, m'allonger sur le sable, prendre un peu l'air, sentir les embruns, rester encore, rester jusqu'à m'en saler le corps. On serait juste toi et moi près d'ici. Oui, bah du coup ça fait remonter la terre, hein, mais bon. On peut voir quand même dans le rang qu'il y a beaucoup de, cailloux. Et puis donc ce que je vous expliquais hier soir, on a un calcaire, des calcaires très durs ici, qui nous donnent des cailloux d'assez grosses pierres, rondes, hein, et ce qui donne un petit peu la caractéristique épicée, fumée, hein, qu'on a. C'est pas que ça, quoi, comme à Châteauneuf, mais c'est vrai qu'c'est beaucoup des cailloux comme ça, durs, quoi, et ronds, qui sont juste usés par le temps, mais qui se cassent pas, quoi. To extract the color and the matter and the tannin, it's a big place in the building because we have on the 10 hectares, we have 8 hectares of red wine and just 2. I'm very happy to share this amazing experience we had with this man, Sébastien Magnin, a very humble winemaker who let the terroir, the soil, speak for himself. I've been really impressed during hours spent in the vines, visiting every parcel, by the quality of his organic farming. All the vines were worked, plowed in order to push the roots deeper in the ground. A distinct philosophy to reduce the yield, to let each grape breathe and allow it the perfect maturity. Here in the wine cellar, you can see lots of pretty new barrels, but actually very few are new oak in order to preserve again the purity and the minerality of the soil. Really, I have to thank you, Sébastien, for those amazing wine you provide. Thank you, the artist.